Furthermore, all of our clubs initiate different activities, trainings, projects, scientific conferences, etc. During the educational classes, the students learned a lot about the environment, went waste or to garbage disposal, and outlined their own steps to save resources and reduce waste to achieve sustainable development goals. Moreover, we hold the training Stop the Garbage Disaster. During 2018-2021, the project Youth Volunteer Network, Simple Ecology for Pupils, is being implemented in all regions of our republic by the non-governmental organization, the Belarusian Association of UNESCO Clubs. During this project, there were formed 36 multiplier groups who acquired knowledge and practical skills how to work with different groups of young people. Besides, the organization stands for informal educational activities such as debating or networking. I can't help mentioning such projects of our organization as a brain ring problems that concern everyone, forum theater, where does the electricity come from, a training, a story about plastic bottle, green schools program, and quiz, biosphere reserves. Within the framework of the project, the National Youth Volunteer Sustainable Network has already been created in 12 cities of our country. Trained children will be able to conduct classes for peers, teachers, and parents on a permanent basis for several years, passing their knowledge and skills to a new generation of volunteers. But we do realize that great goals can be achieved by small steps, and each of us can make at least a small contribution into this great and noble goal. Global problems are solved locally, and each of us is responsible for our future. Remember that only together we may make the world a better place. Thank you for your attention. We are open for cooperation and wishing happy World Environmental Day. Thank you very much for this beautiful presentation, Daria. Merci beaucoup, Daria, pour cette magnifique présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Latifat Faizatou Traoré du Burkina Faso. Now we're going to hear Latifat Faizatou Traoré from Burkina Faso. Thank you very much. The person might not be there. Yeah, are you here? Bonjour. Bonjour. Merci pour la parole. Je suis Latifa Traoré et je représente le Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas en manque de la transition écologique et voilà un peu ce que nous avons noté. Je vais vous partager une représentation que nous avons. Nous rencontrons un problème technique. Vous souhaitiez partager quelque chose à l'écran à part le document? Oui, c'est le document que nous voulons présenter. Il est normalement affiché déjà. Ok. Ok. On peut noter que les constats généraux sur le domaine de l'environnement au Burkina Faso font apparaître de nombreuses dégradation sur les ressources naturelles, notamment sol, ressources en eau, biomasse et biodiversité. Aussi, on a un accès aux fonciers non sécurisés, une productivité faible des systèmes agricoles et de l'élevage, et on a une maîtrise et appropriation des gestions des ressources naturelles. Pardon. Cette dégradation a pour conséquence l'environnement, une diminution de la biomasse et du couvert végétal avec son corollaire de perte de diversité biologique. Ces effets sur l'environnement ont en retour des conséquences sur le milieu social dans l'exode rural avec l'augmentation de la pauvreté en milieu urbain. Maintenant, pour les actions
pour arriver à diminuer ce problème de la diversité, de, pardon, la transition écologique. Les clubs UNESCO ont mené de nombreuses activités, dont une journée de sensibilité le 22 mai 2021, sous la supervision de la FACI au sein du Haut Commissariat de la Sicile. Ensuite, nous avons mené des camps chantiers de reboisement dans la région du Boultiémbé, dans la commune de Zawara et de Sabou en 2020. On peut dire qu'un nouveau camp chantier est programmé pour août 2021. Et aussi, on a mené des journées de sensibilité et une sensibilisation à la préservation de l'environnement. On a fait une formation pour les techniques de recyclage. Les clubs UNESCO du Burkina Faso, notamment les clubs de base dans les écoles, organisent également des journées de nettoyage dans leurs écoles et aussi on a des journées de nettoyage dans les centres de santé et de promotion. Nous espérons pouvoir organiser encore plus d'activités dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons donc passer la parole à Kazé Karel Lambou du Cameroun. Thank you for this presentation. We're going to let Kazé Karel Lambou from Cameroon to speak. Thank you very much. Merci de me passer la parole. Je suis Kazé Karel, la secrétaire générale du Club civil des Amis de la Paix. Les clubs et associations UNESCO Cameroun sont effectivement des regroupements de personnes de tout âge, de tout horizon socio-professionnel qui partagent l'idéal de l'UNESCO. Dans le but de contribuer au développement et à l'épanouissement du mouvement UNESCO Cameroun, les jeunes ont pris l'engagement de s'impliquer effectivement dans la mise en œuvre des initiatives et actions menées dans le cadre de la préservation de notre diversité culturelle, de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique afin de créer l'impact dans notre société. Le programme d'éducation à la citoyenneté et au développement durable a permis à la Fédération camerounaise des clubs, centres et clubs UNESCO de renforcer les capacités des jeunes et des femmes à la préservation de notre diversité culturelle et de la biodiversité afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous célébrons chaque année la Journée internationale de l'environnement en partenariat avec le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et le ministère de la Forêt, de la Faune et de la Flore. Nous menons des activités de vulgarisation des 17 objectifs de développement durable pour faire comprendre aux jeunes l'importance de leur mise en œuvre à travers l'éducation des jeunes à l'utilisation responsable des réseaux sociaux et la création dans les établissements scolaires des jardins scolaires par les clubs UNESCO. Ces jardins comportent en majorité des plantes médicinales à l'instar de l'artémisia et permettant aussi de promouvoir l'agriculture urbaine et la protection de l'environnement. Nous avons aussi organisé des camps chantiers de reboisement dans les régions de l'Adamawa, l'extrême nord, le littoral et le nord. La formation des ambassadeurs de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique dans les établissements scolaires. En 2022, nous mettrons en œuvre le programme d'éducation à l'entrepreneuriat agricole dans les établissements scolaires à travers les clubs UNESCO. Malgré la volonté des membres de la fédération qui se déploie sur le terrain, les actions entreprises restent limitées compte tenu de la modicité des moyens techniques et financiers.
Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Kazé Kahel. Thank you very much for this presentation. Now we're gonna let Freddy Sanzedarmo from Central African Republic to speak. Nous invitons donc Freddy Sanzedarmo de la République centrafricaine à parler. Merci beaucoup. Hello everyone. I guess you understand me. Yes. Okay, I'm very pleased to speak in the name of my country, Central African Republic. So I beg you, I'm gonna speak in French in order to let everyone understand me. Yes. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de la République centrafricaine en ce jour solennel qui marque la Journée internationale de l'environnement. La République centrafricaine couvre une superficie de 623 000 km² pour 5 millions de la population, dont les majorités sont les jeunes. Elle a une couverture végétale et un paysage qui attire plusieurs acteurs. Ce pays est riche de deux aires protégées, la réserve de la base Lobaye, à 170 km de la capitale de Bangui, avec une superficie de 146 hectares, soit 146 km² de... et le parc national de Bamingui-Bangoro, situé à 1634 km de Bangui. Couvrant une superficie de 10 700 km², il est reconnu par l'UNESCO comme réserve de biosphère en 1979. Mais la réserve de la base Lobaye ne dispose d'aucune de la gestion, la laissant à la merci des pressionnières, au déboisement, au braconnage, etc. Pour assurer la sauvegarde, la protection et la gestion de ces ressources naturelles, dont menacées par les activités anthropophiques, l'instabilité et l'insécurité grandissante entraînent des conséquences environnementales drastiques et nécessitent des expertises qualifiées. En effet, étant le représentant de la République centrafricaine, membre actif du club UNESCO, avec motivation principale de contribuer à la sauvegarde et à la protection de la biosphère en général, et en particulier les deux réserves de la biosphère de la RCA qui regorgent un écosystème faunique et floristique important. Ainsi, notre organisation a mené des activités qui consistent à sensibiliser la population environnante et à approfondir les connaissances, surtout la jeunesse, à évaluer l'impact des activités anthropophiques de l'homme posé à la biosphère afin d'atteindre des mesures de l'information et la publication des données collectées par le club UNESCO de Centrafrique. En somme, la dégradation considérée des écosystèmes de mon pays en particulier et du monde en général est au centre de notre préoccupation et ce qui pilote notre présentation cette journée solennelle. Bienvenue, mes chers participants. Je tiens à vous souhaiter aussi bonne continuation dans vos différentes activités que vous menez au nom de l'UNESCO Club dans vos différents pays. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Thank you very much for this presentation. J'invite les personnes, si c'est possible, à ne pas hésiter à mettre vos caméras pour qu'on puisse avoir le plaisir de vous voir. I remind the persons here that they can show your video. You can show your video so we can see you if you want. Now we're going to have Giovanni Mbikayi from the DRC. Maintenant, nous aurons l'opportunité d'entendre Giovanni Mbikayi de la DRC. Merci beaucoup. Est-ce que Giovanni est parmi nous? Je vois que oui, je vois que le micro est en mute. C'est peut-être à cause de ça que l'on ne vous entend pas. Giovanni. Bon. On va. Oui, Giovanni, on vous voit. Est-ce que vous nous entendez?
peut-être quelques problèmes techniques. Bon, on va attendre voir s'il peut se connecter. Nous allons passer à la prochaine présentation en attendant Giovanni. Donc, nous allons écouter Ozeni Faidatou Ajoké de la Côte d'Ivoire. Nous allons donc procéder à la prochaine personne. We're going to continue waiting for Giovanni. So, Ozeni Faidatou Ajoké from the Ivory Coast, can you take the floor, please, and do your presentation? Assez mal. On t'entend très mal, Giovanni. A participé au dernier sommet de l'environnement de Nairobi, le chef de l'État a envoyé un message. Désormais, la RDC sera présente partout pour ses gens à l'environnement avec son impact forestier et plus artificiel. La RDC passe véritablement pour les deuxièmes bassins de l'Amazonie au Brésil. D'or, le sommet de Nairobi a annoncé qu'elle va mobiliser 5 milliards de dollars américains pour soutenir des touchants à la lutte contre les africain s'est engagé à 25 milliards de dollars américains et bien 2025 pour la mer. Il y a une manne financière à laquelle la répondité est importante. Le pays a des atouts pour faire triompher la cause. Il est évident de s'impliquer à fond et être présent pour Nous avons quelques soucis de connexion de Giovanni. C'est vraiment dommage. We're having some issues with the connection of Giovanni. De 80 millions de mètres. Giovanni, the connection is very bad. We're not able to hear. Giovanni, on n'entend pas vraiment ce que vous dites, malheureusement, à cause de la connexion Internet. On a entendu une partie. Je vais devoir malheureusement passer au présentateur suivant, mais ne vous inquiétez pas, votre intervention sera mise dans le document de synthèse qui sera distribué à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous demande de fermer votre micro, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler avec Hosseini Faidatou Ajoké de la Côte d'Ivoire. Thank you, Hosseini Faidatou from Ivory Coast. Well, Hosseini might not be here. Hosseini n'est peut-être pas là. Si, je la vois connectée. Hosseini, c'est à vous. Hosseini. Bon, peut-être qu'il y a également des problèmes de connexion, malheureusement. Well, I'm sorry, we have some issues with the connection in some countries. We're gonna go to Joseph Akpan from the United States of America. Nous avons donc malheureusement des problèmes de connexion avec certaines et certains des intervenants, donc nous allons passer à Joseph Akpan des États-Unis avant de voir si nous pouvons reprendre contact avec les autres intervenants. Merci. Okay, good morning. Please permit me to use English. Yes, yes, of course. For the presentation. Yeah, it is an opportunity for me to represent the United States for this first youth forum. And it's a great development that will definitely move the club forward. So my name is Joseph Akpan, representing United States for today a youth forum. My presentation that I want to look in, that we, I want to present is the consequences of deforestation in our regional society. According to the situation of today in climate change, we have a lot of issues and people believing on climate change. And the club intention is to make sure that we educate and teach the young people the importance of climate change and why they should believe. In the introduction, I can say that one of the greatest danger the world is facing today is the unbelieving of climate change and its effects in our society. The theory of climate change is still sounding unrealistic to so many people, such as they pay just less attention to it. So as a club, we've been able to work with some other organization and other club to be able to educate the children from school to school in order for them to know that they are part of the society and they have to do their part in their little society to protect the environment, because when we have a good environment, we live fine. So as part of our new plan to continue creating awareness among the youth for the need to protect our environment by protecting our forests and save the life of animals, here are the areas we will panel and promote them in our society. We will educate the youth the importance of protecting wild places and endangering species. Well, our plan continue here as part of our new plan to continue. Okay, sorry, get to five. Our plan is to join all the forces to repopulate the world's tree and combat climate change in our society. As trees grow, like we know in usage, as trees grow, they help stop climate change by removing the carbon dioxide from the air, storing carbon in the tree and soil, and release oxygen into the environment atmosphere. So this tree will provide a lot of benefit to our society. In the United States, we have a lot of trees and we are encouraging people to plant more trees in order to be able to stop
some danger that this climate change can cause to our society. Like we all know, in the United States, we have a wide fire in the California. All these things are what we're trying to educate our people to understand, that in every point, everybody has the responsibility to act into protecting our society. In order for us to achieve this plan, and we have been doing it also, we have our president, Dr. Guy Djekun, which has been working with a very reformable organization, Sierra Club in the United States. It's one of the biggest clubs that has been working on the environmental issues, educating people and helping the young people to understand the importance of contributing or defending our environment. So we continue to do this, and we have some map out strategies to visit some schools and some organizations whereby we can be able to educate the young people. And we have some flyers that we have to print that will be able to maybe lay down in the Walmart in places where people can pick up and they can read, and that can also be part of education for them. And today's main point, like I said, I'm focusing on the educating the youth to be part of the people that plant tree in their society. I personally plant tree in my own house also. So we know that when we have all this protect our trees, and the oxygen that we breathe is gonna be better. And at the end of the day, we will be able to have a good environment. So the UNESCO Club in the US has been doing a lot of job through Dr. Guy Djekun, which has been visiting a lot of communities and a lot of states to be able to educate the young people. And I believe that through this UNESCO Youth Forum, we'll be able to carry out a massive and very, very creative activity that will be able to help the youth and the young people to have the feeling that they are part of the society and they have responsibility to contribute to the growth of an healthy society. Thank you. Thank you very much for your presentation, Joseph. Merci beaucoup, Joseph, pour votre présentation. Nous allons donc écouter maintenant Raphaël Tchèque de France. We're now going to hear Raphaël Tchèque from France. Thank you. Hello, everybody. I'm Raphaël. I represent France today, and I'm a Little Citizens for Climate Ambassadors. This organization connects teenagers around the world, and our goal is to raise awareness about the environment, climate change, biodiversity pollution. And so to that, we produce content on social media, such as videos, podcasts, like an interview of Didier Sarraud, a rice specialist at the Agricultural Research and International Cooperation Agency for Sustainable Development. We also do more tangible actions, such as our young ambassador, Raphaël, in Paris, who practices fishing with magnet on the canals of Paris. Every weekend, he pulls up many bikes and electric scooters. He thus highlights the urban pollution. Personally, I took part in the creation of a guide for eco-delegates in partnership with ADEM. I hope this guidebook will help high school students to improve their school carbon footprint. Je vais maintenant vous présenter les autres clubs français et je vais faire cette présentation en français. Le premier club est le club Jean Lorrain à Metz, donc dans la région Grand Est. Ce club organise des échanges internationaux entre jeunes sur les thématiques de solidarité internationale, de citoyenneté et d'écologie. Ils ont mis en place un projet qui s'appelle Ambassadeur de la transition écologique, où le club accueille dans sa région à Metz des jeunes volontaires de toute l'Europe qui participent activement à différentes activités en lien avec la transition écologique et sociale. Et ils participent notamment au festival de cinéma sur l'environnement, Cinémataire, à la mise en place d'activités de plaidoyer auprès de collectivités locales sur la charte de la transition écologique, ainsi qu'à des actions de sensibilisation envers les établissements scolaires et à la réalisation d'un film en lien avec les élèves. Ainsi, les jeunes deviennent des acteurs du changement tout en rencontrant et en échangeant avec des jeunes de différentes nationalités. Nous avons après le club Antonia à Montpellier, qui est donc une école internationale située à Montpellier dans la région Occitanie.
qui a mené une multitude d'actions au cours de l'année 2020-2021 en faveur de la protection de la planète et autour d'un projet qui s'appelle L'Homme et la mémoire, autour de la problématique des déchets et donc sur leur gestion, notamment avec la réduction, la réutilisation et le recyclage, qui veille à éveiller la conscience des élèves au respect du vivant et à agir pour la protection de l'environnement. Ils ont par exemple fait des journées de nettoyage, Clean Up Days, où les élèves ont à plusieurs reprises nettoyé la cour de l'école, ses environs. Ils ont également constitué des équipes de recyclage afin donc de mettre en place un système de recyclage efficace, et ainsi que des activités anti-gaspillage et de sensibilisation alimentaire ont été organisées comme un concours du goûter sans emballage pendant une semaine, avec également donc, de la réutilisation du compost dans le jardin de l'école et des activités de plantation. Au cours de l'année, les élèves ont eu ainsi l'opportunité de mener une réflexion commune sur la thématique des déchets, et le club a célébré la Semaine européenne de réduction des déchets et la Journée internationale de la terre nourricière. Nous avons après le club Youth ID à Paris, qui organise des échanges, des rencontres et des débats créés par et pour les jeunes autour de la diversité culturelle et de l'écologie, puisque pendant le confinement, donc cette association a organisé un programme de rencontres en ligne avec des jeunes venus d'Allemagne, d'Algérie et de France autour de thèmes et du développement durable et de l'interculturalité, en créant des campagnes de sensibilisation sur le climat dans les réseaux sociaux, des partages de recettes de cuisine éco-responsables, des ciné-débats autour du thème du recyclage. Et ainsi, donc, en s'engageant pour une cause, les participants ont appris à découvrir et coopérer avec des jeunes venus de régions et qui ont des vécus différents. Nous avons les élèves du lycée d'Hydro à Marseille qui ont réalisé un projet d'éco-construction. Et ensuite, quatre jeunes étudiants du lycée Larocque à Rodez qui ont rassemblé et coordonné une quinzaine d'établissements scolaires en France, Espagne, Turquie, et Inde afin d'organiser une journée commune de sensibilisation au tri et au ramassage de déchets réalisée donc par les élèves de chaque établissement. Et je terminerai par le club L'Air et Moi à Marseille, qui sensibilise les jeunes sur la pollution de l'air, qui est un enjeu donc majeur de santé publique et climatique, et cela grâce à un programme pédagogique complet, spécialement conçu pour accompagner les enseignants, les parents et les animateurs désireux de sensibiliser les enfants à la qualité de l'air. Leurs supports pédagogiques sont disponibles en 14 langues différentes, et grâce à ces supports, l'association a sensibilisé depuis sa création plus de 750 000 enfants. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Thank you very much, Raphaël. I see that Mrs. Sunjuli wants to say a word. Maybe she's raising her hand. Mrs. Sunjuli. No. Maybe a mistake. My bad. I see that Oseni Faidatou is here. Oseni, est-ce que tu nous entends? Ta présentation sera donc vers la fin quand on aura résolu les problèmes techniques. Donc je laisse la parole à Kadi Koumba Diallo de Gambie. So now we're gonna let Kadi Koumba Diallo let her presentation. She comes from Gambia. Maybe also having issues with the internet connection. Il se peut qu'on ait également des soucis de connexion avec Kadi Koumba. Donc, nous allons passer à Christiana Gatswini de Grèce. We're going to hear Christiana Gatswini from Greece. Please, Christiana, the floor is yours. Thank you very much. Good evening. My name is Christiana Gatswini and I'm from Greece. I represent Club for UNESCO Pirates and Islands. Our club is an association with the fundamental purpose of cultivating international perception, cooperation, and solidarity. We have social structures in Piraeus and in Nicaea. We have these structures for helping people in need
and defeating poverty, and we operate a social restaurant, a dormitory. Sorry, can you hear me? Yes, yes, loud and clear. Thank you. And we have a social restaurant, a dormitory, an open day care center. And for all this, it's very important to mention that many young people under 30 years old are employed or offering volunteer work. We also organize workshops, seminars, and events to inform and train young people on issues related to current social matters. More specifically, we have adopted the 17 goals for sustainable development, and we work on them to better world by 2030. The future and the hope of every country is the children and youth. So our program is based on them, aiming to give the basic topics. Our workshops and actions aim to make children learn how to treat the environment, respect and care for it, because it's their home. Children learn through an educational and fun process about recycling that must enter our daily lives, about eco-friendly commercial cleaning products, also about energy saving and how we can replace the traditional energy sources with a renewable. Another important topic is reforestation, which is one of the most important and beneficial actions with a slogan, plant a tree, save the planet. Nutrition and consumption, about how not to throw our food in the trash, but cook enough to consume it, or to use bicycle for our transportation, are two more topics. And finally, how to turn our food scraps very easily into fertilizer for the plants. All the children and young people love our actions because we try to find interesting and fun ways, such as book presentations and art exhibitions. And we even organize team excursions in order to show and to persuade them to adopt the goals for sustainable development. By adopting these goals, the process of implementing them by the year 2030 can transform our world into a better place. Finally, I would like to inform you that our group is going to participate at the end of this month on a youth exchange program in France, where we have the opportunity to discuss many ideas and to participate in constructive workshops and activities. Thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you very much for your presentation, Christiana. Now we're gonna let Jacques Kpogomou from Guinea. Maintenant, nous allons écouter Jacques Kpogomou de Guinée. Mesdames et messieurs, les membres du Forum Partage et Coopération, amis jeunes des clubs et associations pour l'UNESCO, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de la délégation de la République de Guinée et à mon nom propre de saluer et de remercier très sincèrement les membres du Forum Partage et Coopération, organisateurs de ce forum international qui est un espace d'échange, de partage et de formation. Mesdames et messieurs, notre pays, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, d'où partent les sources de nombreux grands fleuves, dont le fleuve Niger, est situé aux portes du Sahel, une des régions du monde les plus affectées par les changements climatiques et à la dégradation de son environnement. En ratifiant, à l'instar de bon nombre d'États du monde, plusieurs conventions internationales, dont la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la République de Guinée s'est engagée à œuvrer pour une politique de développement durable basée sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Aussi, depuis l'accord de Paris COP21, les engagements des jeunes ne cessent de se multiplier pour aider l'État au respect de ses engagements vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais surtout de l'accord de Paris. Aussi, depuis l'accord, pour faire face à cette crise climatique aux nouvelles tendances et défis émergents, qui ne se fera pas seulement par la réduction des gaz à effet de serre de façon efficace et remarquable,
Elle passe par la construction d'une société plus solidaire et démocratique, tout en luttant contre les inégalités sociales. Cette transition écologique et sociale est un mouvement systémique qui vise à transformer les pratiques de tous les acteurs dont les activités sont liées à la nature à l'échelle mondiale. Elle doit prendre soin de l'individu, de la communauté et de la nature. Mesdames et messieurs, d'énormes efforts sont déployés par des jeunes, tant au niveau local que national, dans le cadre de l'éducation, la sensibilisation, la communication, la formation, le reboisement et la mobilisation sociale. De 2015 à nos jours, de milliers de jeunes continuent à sensibiliser, former, communiquer, reboiser et se mobiliser autour du climat, avec pour objectif repenser nos modes de lutte contre le réchauffement climatique en République de Guinée. Parmi toutes ces initiatives de jeunesse mises en place à l'échelle locale et nationale par et pour les jeunes, nous pouvons citer organisation du camp national des jeunes sur le climat afin de rendre possible une transition écologique et sociale plus respectueuse de l'environnement. Elle fait des jeunes des acteurs incontournables de développement des mesures d'adaptation et d'atténuation. Sensibilisation dans les écoles afin de faire des élèves des agents de changement et promouvoir auprès d'eux l'importance des développement et promotion des technologies propres face au changement climatique, initiative qui vise à soutenir l'accès des communautés vulnérables aux connaissances et technologies propres comme les foyers améliorés, fixes et mobiles. Campagne de reboisement des écosystèmes dégradés visant à accompagner la campagne nationale de reboisement du gouvernement guinéen dans le cadre de ses engagements. Elle permet de mobiliser la volonté citoyenne et l'engagement des jeunes. Restant et demeurant des acteurs incontables, les jeunes de notre pays s'engagent davantage à servir de courroie de transmission pour faire passer les messages concernant la sauvegarde, la protection et l'amélioration de l'environnement auprès des communautés et du grand public. Le fait de prendre conscience de la nécessité d'adopter des comptes publics, de continuer sans désemparer à informer, sensibiliser, éduquer les communautés sur les causes et les conséquences de la démographie galopante par l'éducation, à la planification familiale compte tenu de la croissance de la pression anthropique sur la nature, la dégradation des végétaux, la disparition des animaux, la pollution des eaux et de l'air, la dégradation des sols et sur les intérêts culturels des animaux sauvages, surtout les espèces rares, d'organiser des campagnes de lutte contre les feux de brousse, de soutenir la série de campagnes nationales du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique, dont entre autres Un citoyen, un arbre, un mariage, deux arbres. De développer la coopération internationale, car à un, on est une ressource, et à deux, on est trois ressources. Cette coopération permettra donc aux pays pauvres de lutter efficacement contre les changements climatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Thank you very much, Jacques. We are now let Ozeni Faidatou Ajoké, that wasn't able to speak before. Nous allons donc parler avec Ozeni Faidatou Ajoké, qui n'a pas pu parler auparavant. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Ozeni, c'est à vous. Bonsoir à tous. J'espère que ce message vous trouve bien. Je suis Faïda Tour de la Côte d'Ivoire et je fais partie du club UNESCO au niveau de la Côte d'Ivoire, précisément au niveau de l'université Alassane Ouattara de Boaké. On est un club pour le voir et ses programmes et devraient à leur réalisation. Il s'efforce donc de propager les idéaux de l'UNESCO en entreprenant en fait des activités qui s'inspirent directement de celles de l'organisation et élargissent ensuite les horizons culturels et rendent un service inestimable à l'UNESCO et aux commissions nationales pour l'UNESCO, en menant un travail d'information complémentaire en direct du public. Pour l'UNESCO,
Les clubs font partie de la société civile dans la mise en œuvre des idéaux de l'UNESCO. La société civile a une place importante. L'UNESCO a toujours associé la société civile à ses activités et la pertinence de cette implication s'accentue au fil du temps. Cela justement parce que la gouvernance mondiale n'est plus du seul ressort des gouvernements. La participation et l'influence croissante des acteurs non étatiques renforcent la démocratie et redéfinissent en fait le multilatéralisme. C'est dans ce contexte que, pour aider l'organisation à mener à bien sa mission, la Fédération ivoirienne des associations des clubs pour l'UNESCO, en abrégé FIAQ, a autorisé et encourage la création des clubs UNESCO pour l'UNESCO. C'est d'ailleurs cette catégorie de clubs qui regroupe les jeunes en Côte d'Ivoire, avec le secrétaire national, notre ami Yves Laurent. Et les clubs sont répartis aussi comme suit. Le club UNESCO étudiant de l'université Alassane Ouattara, où moi-même je fais partie. On a aussi le club UNESCO étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à l'université d'Abidjan. Le club UNESCO étudiant de l'université Pédéforo-Gonkoulibaly de Korogo. Ensuite, le Rouillon Bébé de Dalois. Enfin, l'UNESCO étudiant de l'université de Mans. Tous ces clubs universitaires UNESCOsiens directement rattachés à la FIAQ, Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO, œuvrent pour la promotion des 5 grands programmes en fait de l'UNESCO, que sont, nous avons en premier lieu l'éducation, en deuxième lieu les sciences humaines et sociales, en troisième lieu les sciences exactes et naturelles, en quatrième lieu la culture. Et enfin, la communication et l'information qui vont passer en cinquième lieu. C'est donc par action de ces clubs universitaires pour l'UNESCO que nous partagerons l'expérience d'engagement des jeunes Ivoiriens en faveur de l'environnement. Donc, partage d'expérience. Comme première question, nous commencerons par poser la question, comment est-ce que l'engagement écologique se réalise concrètement au sein des clubs pour l'UNESCO et des différentes régions du monde? Au niveau de l'engagement écologique, en fait, au niveau des clubs pour l'UNESCO, plusieurs programmes de sensibilisation sont menés et beaucoup d'activités aussi et actions concrètes sont menées, en fait, en vue de la protection de l'environnement et surtout de la lutte contre le réchauffement climatique. Ces activités, nous irons par exemple sur 5 géants, comme toutes les 5 géants, en fait, au niveau de Océanie, je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez? Océanie, are you here? Nous avons quelques problèmes de connexion avec Océanie. We're having some connection issues with Océanie. We hope she can make it. Maybe she will be able to finish her presentation later if the connection is not getting back right now. Peut-être que nous continuerons donc et finirons sa présentation lorsque sa connexion reviendra. Désolé pour ces problèmes techniques. Donc nous céderons la parole. Ah, je suis revenue. Ah, Océanie, c'est à vous, allez-y. D'accord. Maintenant, j'étais au deuxième lieu, à la deuxième question, en fait, qui est de savoir quelles sont les actions, en fait, qui sont mises en œuvre à l'échelle locale, nationale et internationale par et pour les jeunes. Concernant les actions à l'échelle locale, il y a la sensibilisation qui sont faites, en fait, dans les écoles primaires et secondaires en vue de la protection de l'environnement, ce que je disais dans le petit temps, particulièrement dans la ville de Bouaké et d'Abidjan, parce que ce sont les deux grandes villes de la Côte d'Ivoire, qui sont les deux plus grandes villes en fait. Nous avons les activités de planting d'arbres, qui sont de plus en plus récurrentes. Nous avons ensuite le tout concours à un seul et unique objectif, en fait, la sauvegarde
l'état de l'écologie et surtout de la masse végétale. On a vraiment des journées entièrement dédiées aux plantes d'arbres, comme le 5 juin. Ce 5 juin-là, au niveau national, il y aura des sensibilisations des plantes d'arbres au niveau national. Ensuite, à cet effet, il y a des clubs UNESCO universitaires qui prennent part au projet Pop My City, qui est un prélude en fait de la COI. Des conférences sont également organisées pour sensibiliser les étudiants sur les phénomènes comme le braconnage, la destruction massive des arbres, l'effet de brousse de réchauffement climatique, les énergies renouvelables. À l'échelle internationale, les clubs de l'UNESCO en Côte d'Ivoire célèbrent les journées internationales de la terre et de l'eau, ainsi que les journées décrétées à l'occasion desquelles l'on fait la promotion en fait, des composantes de l'écologie. À cet effet, à ce niveau, du 4 au 16 octobre 2016, c'est tenu en fait, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Est, en Nairobi, au Kenya, la commémoration en fait, du 10e anniversaire de l'initiative de la jeunesse africaine sur les changements climatiques, qui est en anglais, je dirais, African Youth Initiative for Climate Change, ainsi que la deuxième conférence des jeunes africains sur les changements climatiques. Nous avons eu AfriCOI en 2016, qui avait sur le thème, en fait, faire fonctionner la finance climatique pour la jeunesse africaine. La session a été marquée par cinq thématiques, trois ateliers et plusieurs conférences à cette thématique-là. Cette session a réuni plus de 40 pays. Pour l'occasion, les clubs UNESCO universitaires ont été représentés par l'ami Yao Pascalim, qui a fait le déplacement jusqu'au Kenya. Ensuite, en 2018, les clubs universitaires ont également pris part par le biais de l'ami Bain Nous avons à nouveau été coupés avec Océni. On va peut-être attendre 5 petites secondes si elle revient pour qu'on puisse continuer. Si elle ne revient pas, on pourra peut-être continuer à l'intervenante suivant. We're just waiting 5 seconds to see if Océni can come back to us. And if not, we will proceed to let Italy speak. Well, due to the time, we have to proceed. Du au temps, nous devons malheureusement continuer avant la fin de la présentation. Je rappelle à toutes et à tous que les personnes qui peuvent mettre leur caméra et activer leur micro sont notamment les personnes qui sont présentatrices. Donc, il y a 21 et 21 présentatrices lors de cet événement. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre l'appareil, la caméra et vous n'êtes pas présentateur ou présentatrice, c'est normal. I will have to say that if you're not making a presentation today, it's normal that you cannot activate the video. Thank you. So now we will let Daniela Puscasu from Italy the floor. Maintenant, nous allons écouter Daniela. Sans problème de connexion. Oui, Océni. Océni, est-ce que vous pouvez finir votre présentation avant de passer à l'Italie? La connexion est assez... Ok, oui. Voilà, j'étais à 2018. En 2018, les clubs universitaires ont également pris part par le biais de l'ami Banol Jeune sur les ODD à Ouagadougou. Il s'est agi essentiellement de partager des expériences sur les gestes éco-citoyens et sur l'agriculture verte pour faire face en fait au problème de la faim en Afrique. Et en petit 3, quand il s'agit de la question sur quelle part peuvent prendre les jeunes en fait dans la lutte, je commencerai par dire que, étant donné que le présent et l'avenir du monde reposent sur la jeunesse joue donc un très grand rôle. Alors, un sujet aussi important qu'est la sauvegarde de l'écologie mondiale se doit d'être confié en majeure partie à la jeunesse. Les jeunes peuvent donc constituer un efficace
réseau de sensibilisation, de relais d'information sur cette question. Et la jeunesse apportera beaucoup si elle est associée à toutes les activités sur les programmes en relation avec l'écologie et les moyens. Et si aussi, les moyens sont mis à sa disposition pour l'implémentation de certains projets de sauvegarde de l'environnement. Notamment, c'est des projets portant sur l'intelligence artificielle en lien avec l'environnement. Ils peuvent être ainsi des acteurs clés pour la réalisation des accords de Paris sur le climat dans leur pays, dans leurs différents pays, en mettant en pratique en fait le slogan « Pensez global et agis local ». On pense globalement et on agit localement. En conclusion, je dirais que tous les pays africains où le taux, dans les pays africains où le taux d'alphabet est très élevé, réalité qui ne facilite pas toujours l'approbation par la masse des grandes politiques de développement, il faut multiplier les formations sur l'éco-citoyenneté et sur les enjeux des énergies renouvelables, la découverte du patrimoine subaquatique et l'économie verte, les enjeux éthiques du principe et de responsabilité à l'égard de la nature et des générations à venir, etc. Et au nom des clubs pour l'UNESCO de la Côte d'Ivoire, je vous remercie. C'était Faïdatou Ousseni de la Côte d'Ivoire. J'ai pris le nom au nom de l'UNESCO. Et je vous remercie cordialement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousseni. Thank you very much, Ousseni. Maintenant, nous allons laisser la parole à Daniela Puscasso d'Italie. We are now letting talk Daniela Puscasso from Italy. The place is yours. Thank you. Good evening, everyone. My name is Daniela Puscasso. I'm 18 years old and I've been attending the Linguistica School for 4 years at the Albert Einstein Institute in Cerignola. I'm part of the group of UNESCO in Cerignola, and today I'm here as a representative of the Italian Federation of Associations, Clubs and Centers for UNESCO. Well, I'd like to thank you very much for the event we are witnessing today, because this is another important and extraordinary experience, or maybe opportunity for us. We're young, so we're full of problems and questions, but at the same time, we're determined and motivated. I think youth is the right age for education. And for this reason, we're interested in the issues aimed at the dissemination of UNESCO programs. Well, we're a group of young people who come from all over Italy. We work in network, and in particular, we are contributing to the project FICLU in Action that provides especially group works. All Italian centers and clubs work for this and try to obtain relevant results to obtain these results for the achievement of the 2030 agenda. Among the activities we have done on the net, there are, for example, the Dante Day, the Biodiversity Day, the Earth Day, and all these helped us to achieve the objective 16 of the 2030 agenda. I mean, promote just peaceful and inclusive societies. I have to say that this work was done with many schools, starting from primary schools to universities, because we believe in UNESCO principles. Now I want to present you a slogan we coined. I mean, dream, believe, and act with us forever, young FICLU. This slogan highlights our hope for a better future and our desire for change. We don't want to act tomorrow, to wait for a tomorrow, because there are things that we can do starting today. But now I want to give the floor to Barbara Costabello, who can tell us more about all this. Thank you. Merci Daniela. Je suis Barbara Costabello du Centre pour l'UNESCO de Turin. Bonjour à tous et à toutes. Et à titre d'exemple, des activités menées par les clubs et les centres pour l'UNESCO italienne, je vais vous présenter et j'irai partager mon écran quand il sera possible. Le programme pour les écoles réalisé par le Centre pour l'UNESCO de Turin, en partenariat avec la Fédération italienne des associations club centre pour l'UNESCO et l'Université de Turin. Ce programme s'intitule La vie sur la Terre 2,
E, climat, santé, patrimoine, et il est adressé aux écoles de tous les niveaux de la région Piémont et aux membres des clubs et centres pour l'UNESCO italien qui sont intéressés. Comme vous voyez, ce programme a obtenu beaucoup de patronage, parmi lesquels le patronage du ministère de l'Environnement italien et le patronage de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. La journée finale de ce programme a été insérée dans le calendrier des événements mondiaux. Les thèmes abordés par ce programme étaient la relation entre patrimoine matériel et immatériel dans un monde globalisé, consommation et gestion et utilisation des ressources naturelles, rapport entre changement climatique et pandémie. Ce programme s'est déroulé pendant toute l'année scolaire 2020-2021 et la première étape a été la journée d'ouverture dans le mois de novembre. Puis, il y a eu 4 rencontres de formation en direct streaming du Centre pour l'UNESCO de Turin pour les enseignants inscrits, les élèves de lycée et les membres des clubs et centres pour l'UNESCO. Ensuite, les élèves ont travaillé dans les classes et le 17 mai, pendant la journée finale, ils nous ont présenté leurs travaux. Les travaux des 500 élèves participants ont abordé les sujets suivants. Le recyclage, les changements climatiques et les propositions de solutions, les océans et les problèmes liés aux ressources hydriques, le patrimoine et sa valorisation, les liens entre changement climatique et pandémie, la gestion et l'utilisation de l'eau, le destin de la planète, la pollution des mers et la pollution atmosphérique. Les élèves ont été très créatifs. Ils ont réalisé d'objets d'utilisation quotidienne avec des matériaux de récupération. Ils ont fait des recherches PowerPoint, des vidéos et des courts-métrages, et aussi un catalogue pour des expositions à cause de la fermeture des musées pour nous faire voir aussi les œuvres pendant cette période. Voilà quelques images de la journée finale du programme qui s'est déroulée au campus ONU de Turin, où le Centre pour l'UNESCO a son siège. Il y avait 50 personnes en présence et les autres en ligne. Les élèves ont présenté leurs travaux, ils étaient les élèves de 17 classes, et pendant cette journée, nous avons aussi lancé le programme pour la prochaine année scolaire, qui aura pour thème transition écologique et style de vie aujourd'hui et demain. Merci pour votre attention. Merci beaucoup aux deux présentatrices pour leurs interventions. Thank you very much for both of you for your presentations. Now we are having the Ivena Azonzi from Benin that could not speak at the beginning. She's here apparently, so we're going to let her talk. Nous allons passer la parole à Ivena Azonzi qui n'était pas là au début de la présentation mais qui a réussi à se connecter. Donc Ivena Azonzi, à vous. Oui, Sylvain, dites, vous avez des nouvelles? Oui, c'est elle qui passe là. Ivena, nous n'entendons rien. Le micro, activez le micro, Ivena. Bon, écoutez, on va peut-être la laisser parler en dernier lieu. On va donc passer à Karen Elavar du Liban. I'm sorry, we're gonna let Ivena talk at the end of the meeting. So the floor is to Karen Elavar from Lebanon. Thank you. Okay. Okay, can you see my screen? Yes. And can you hear me well? Hello. Yes, yes, we can hear you. Okay. Good morning, good evening, and good afternoon from wherever you are. I am Karen Awar. I am representing Lebanon. I am the regional coordinator of West Asia in COI16, and I'm currently pursuing my undergraduate degree in marketing in the Lebanese American University. And I am an Al Manar Modern School alumnus.
Due to the short interval that we have to present, I'm going to be talking mostly about COI 16, GAU, and in addition to my school, Al-Manar Modern School. So let me initiate first of all with COI 16 and GAU. COI 16 represents the UN Climate Change Conference of the Youth with its 16th version this year. So as you can see, this is a representation of the 15th. We have, it is a great opportunity for all of the climate leaders and the climate advocates from all around the world. We have reached more than 180 countries, and we gather usually in Glasgow in Scotland on October. So basically, the great thing about it, we are part of YoungGo, and the great thing about it is that we are one of the very few young and youthful conferences that are acknowledged and officially approved by COP26, in addition to the UN Envoy of the Youth. The community is more than amazing. We are trying to raise as much awareness, but we mostly focus on diversity. As I've told you before, that we have reached more than 180 countries. It is an amazing opportunity. And we all have the same cause. We all want a better tomorrow. We all want a better environment. So it is a great opportunity for each and every single person to participate in it. So basically, the conference, which is held for the youth, COI 16, each and every single year, is basically stimulated and moved on by the Global Affairs Unit, which is the main administrative part that processes it. The Global Affairs Unit is what I'm part of. I am the regional coordinator of West Asia, responsible for 19 countries and 38 country coordinators. What we do is we try to raise awareness as much as possible, find resolutions, get diversity and maximum representation from all around the world. And also our main goal is to actually tackle the goal 13 and to help to achieve the 2030 goals that are set by the United Nations. How can we do that? Well, let me explain. So basically, I'm responsible for country coordinators who contact educational institutions and the youth in their locations and in their countries. Basically, we take from them a youth statement. The youth statement is a document which has resolutions and signatures of thousands of youth from all around the world. We usually gather the youth statement, take it to COI 16, Glasgow, to the YoungGo working group. And then this youth statement that holds the resolution is going to be translated to YoungGo policy team. And then, ladies and gentlemen, it is going to be escalated to COP26 itself. So what we do is not only raise awareness and gather resolutions from all around the world. Every single person who participates in COI 16 and in the youth statements has the opportunity to have his or her signature in the COP26 and also have the resolution heard by huge influential people from all around the world. But don't worry, it's never too late. So pre-registration is open now. If you'd like to participate as your organization or you'd like to go individually to COI 16, until now it's held virtually, you are more than welcome. The pre-registration is now open and I'm going to drop down the link in the chat box once I'm done. So it would be fairly impossible not to state my school, Al-Manar Modern School, in influential environmental actions, because AMS, Al-Manar Modern School, was the main influential institution that has helped me to be the advocate I am, the environmental advocate I am, and really taught me, along with, I'm pretty sure, a lot of people and a lot of graduates and people pursuing their degree right now, that climate change is something really serious, and I'm really thankful for that. Well, in Al-Manar Modern School, what we have is that basically Al-Manar Modern School is one of the top 10 international ASP net schools in UNESCO from all around the world. It has participated in climate change education, CCE. It has also participated in ESD, including education for sustainable development. And it has participated in the program of getting climate ready, a guide for schools on climate action. Well, it's not only about awareness. We have created a lot of practical work. We have participated with a lot of NGOs, including MESD. We have tried to reduce our energy consumption until we reduced it from 50 to 60%. We have also reduced our waste by our waste by approximately 80%.
So as you can see, here are a few pictures of the practical work that we have done in our school. Here we have students who have been collecting waste in our region and also in further areas. And here we have the recycling process that we have ongoing throughout all of our year. In addition to the recycling process that is also taught to very younger generations, not only to the older generations. And in this picture, for example, we have students collecting plastic waste to give them to plastic recycling companies. The practices are endless, so I try to summarize as much as possible. Now, I say it with full pride and with a full heart, we have successfully created the Cages Wellness Club during this year, despite the quarantine, despite the electrical issues that we have in Lebanon, despite the internet issues that we have, connection issues, and the health issue itself in the quarantine and the lockdown. We have successfully created the Kindergarten's Wellness Club, which includes five pillars. As you can see, each pillar, it represents one handprint. The first pillar is going green, where they focus on conserving water, the three R's, and planting to students who are from 3 to 6 years old. The second pillar is physical education, third self-care, fourth values, and fifth hands-on activities. So not only in environmental practices, but also on social levels. These cuties are just from 3 to 6 years old, and you can really get shocked with the amount of influence that you can create on a very little kid. And I'm pretty sure that they are going to be the future, the coming future, because they are being assessed in the right manner on all of the to become climate and social advocates from all to reach international levels, not only on national levels. Now, moving on from the practical part, I would also like to introduce you to different projects that we have created, very few of them actually. They are related to climate issues. So first of all, we have the Sporadic Biofuel. Sporadic Biofuel was a project I made along with my friends in 2015, where we participated in the UNESCO Science Fair competition. It is held each and every single year, and we won the gold medal in the niche of biodiversity and natural resources, where we created biofuel from fungi that's found everywhere around us, including this project by the gentleman, Bright Plants for Bright Future, where they have created electric light energy from plants, and they have also won the silver medal in the UNESCO Science Fair competition. We have also tried creating an ecosystematic quarrying program on behalf of the 15th SDG, Life on Land. And we have also created this very interesting project, Solar Cooker. Solar Cooker is basically, it's a dish that where we apply on it mirrors, and it grasps the solar energy and turns it into thermal energy. There's a specific focal point. Once the focal point is applied to a specific place, it heats out anything you'd like, and it's very portable. You can take it everywhere. So I would like to thank you all for listening to me. It's really a great pleasure to network with all of you. We all have the same cause, and I'm pretty sure that we all acknowledge the efforts of each and every single person of us. Happy World Environment Day, and thank you so much for listening. Thank you very much, Karen, for this presentation. Merci beaucoup, Karen, pour cette présentation. Nous allons passer la parole à Mohamed Lamine Tunkara du Mali, s'il vous plaît. We'll now let the floor to Mohamed Lamine Tunkara from Mali. Thank you. Okay, merci de m'avoir donné la parole. Vous m'écoutez? On vous entend bien. Ok. Par rapport au cas du Mali, la Fédération malienne de clubs et associations UNESCO Fémacou est une organisation fédérative à caractère éducatif, scientifique et culturel qui a été reconnue officiellement le 25 avril 1990. Elle est affiliée à la Confédération africaine des clubs UNESCO et la Fédération mondiale des clubs UNESCO, Association UNESCO. Ses buts sont ceux de l'UNESCO tels que les énoncés sont actes constitutifs. Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en réussissant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour toute sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La Charte des Nations Unies connaît à tous les peuples. La FIMACO œuvre à travers différentes activités pour contribuer à l'émergence
d'un monde de paix et pour le développement durable du Mali. Elle privilégie les actions de formation à la citoyenneté, la culture de la paix et la non-violence, la promotion des droits humains, de l'éducation et de l'alphabétisation. Elle favorise les échanges entre les peuples du monde et agit positivement pour la protection de l'environnement. En outre, elle œuvre pour la promotion des idéaux de l'UNESCO. Elle travaille régulièrement à la promotion de la jeunesse et de l'enfance du Mali, à la promotion, la protection du patrimoine. Elle entretient des rapports de collaboration avec le bureau de l'UNESCO basé à Bamako et la Commission nationale UNESCO pour et la Commission nationale pour l'UNESCO et l'UNESCO du Mali. Elle organise chaque année un camp chantier de reboisement qui a touché presque toutes les régions administratives du Mali, sauf Kidal. L'organisation de camps chantiers de reboisement et d'échanges culturels s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation des énergies de la jeunesse dans la lutte contre la déforestation et la désertification dans notre pays, plus précisément la lutte contre le réchauffement climatique et plus largement pour la transition écologique et sociale. Le Mali, avec son climat soudano-sahélien, est défavorisé par la nature. De plus, les actions des hommes agissent considérablement sur l'environnement, déjà peu fourni en arbres, en favorisant la désertification qui menace les populations. La conservation et la gestion des ressources naturelles et de l'environnement est une priorité absolue pour le gouvernement du Mali et constitue les bases d'un développement socio-économique durable. Cette volonté est déjà affirmée à l'article 15 de la Constitution, qui dispose que toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement, la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour l'État. La politique de l'environnement au Mali est sous-tendue par les principes suivants: équité et égalité entre tous. L'implication, responsabilisation et la participation de tous les acteurs, prévention et précaution, internalisation des coûts de l'environnement et application du principe du polyère-PR. Les clubs UNESCO du Mali ont eu à organiser des camps chantiers internationaux de reboisement et d'échanges culturels à Djéné en 1998, à Ségou en 2000, à Sikasso en 2003, et 2007, à Gao en 2004, à Koutiala, Kadjolo, Tombouctou en 2005, à Bougouni en 2006, à Badjangara en 2009, à Yafunke en 2010, à Kankaba en 2011, à Wolesebougou en 2015, à Kai en 2016, autant pour moi, Djéné en 2017, Kolokani et Djéné en 2018, enfin Ségou en 2019. Compte tenu du crise de COVID-19, on n'a pas pu faire de camp chantier en 2020. Parfois, le club UNESCO, à des niveaux différents, organise des activités de reboisement. Ces camps de reboisement visent 1. Faire de l'environnement un moyen efficace et durable de lutte pour la culture de la paix. 2. Attirer l'attention des jeunes des dangers qui guettent le milieu naturel malien, des avantages de la prévention de l'environnement en plantant des arbres. 3. Mettre en exergue les défis environnementaux et partager les précautions environnementales avec les populations à la base. C'est aussi une occasion pour les jeunes du Mali, en particulier de ceux venus d'ailleurs, de se retrouver et d'échanger sur les sujets d'intérêt comme le civisme, la citoyenneté, la culture de la paix, le leadership jeune, l'entrepreneuriat jeune en milieu rural, etc. Ces séances de formation sont initiées sur des bonnes techniques de plantation d'arbres, la gestion de l'environnement pour un développement humain durable
la population du Mali, etc. Nous avons bénéficié de l'appui de la Commission nationale pour l'UNESCO, l'UNESCO, à des ateliers de formation sur la plantation, sur la protection de l'environnement et la sensibilisation aux questions écologiques dans les régions du centre et du nord. La transformation et la gestion des déchets solides. Nous avons aussi participé au Forum national de l'environnement initié par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les vacances citoyennes du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Les ateliers du bureau UNESCO de Bamako sur le climat et la protection de l'environnement. Les clubs UNESCO sont aussi membres de la commission d'organisation de la quinzaine de l'environnement qui est à la 22e édition. La quinzaine de l'environnement a pour objectif de développer un cadre de partenariat environnemental avec toutes les catégories d'acteurs pour un changement de comportement positif en vue de la durabilité du patrimoine commun. Rappel de ces activités témoigne la disponibilité et la volonté des autorités du Mali à accompagner les initiatives qui favorisent la paix, le développement durable et la protection de notre environnement. Merci, c'est la personne Mohamed Lamine Toukara qui je représente le club UNESCO Mali. Merci. Merci beaucoup Mohamed Lamine. Thank you very much Mohamed Lamine. Now we're going to let the floor to Abdourahamane Idebaza from Nigeria. Maintenant, nous allons écouter Abdourahamane Idebaza du Niger. Alors, Abdourahamane. Ouais, bonsoir à tous. Merci. C'est à vous. Ok, vous m'entendez? Très bien, merci. Ok, merci bien. Donc, je me présente, c'est Abdourahamane Idebaza. Donc, je suis le secrétaire à la communication et relations extérieures du club UNESCO de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je ne sais pas, la présentation, elle est à votre niveau? Bien, je partage. La présentation arrive. Désolé. Ok, merci. Merci bien. Donc, nous remercions le Forum Partage et Coopération pour cette initiative. Donc, comme je l'ai dit, donc, je vais partager avec vous quelques réalisations donc, du Club UNESCO de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, le CIAM, dans le domaine de l'environnement. Ok, diapo. Ok, merci bien. Donc, en guise de présentation, donc, le club UNESCO de l'Université Abdou Moumouni de Niamey est une structure donc, apolitique et non confessionnelle basée sur les principes du bénévolat et du volontariat. Donc, le club UNESCO de l'Université Abdou Moumouni est reconnu donc, officiellement le 15 novembre 1995 à travers un arrêté donc, de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ISESCO. Son but principal est la promotion de la paix donc, et du développement à travers la culture et l'éducation. Ainsi, le CIAM est membre d'une grande structure donc, sous-régionale donc, de jeunesse appelée le RESCIAO, qui est le réseau des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le RESCIAO prône l'intégration du peuple et la promotion de la paix à travers l'intégration culturelle et l'éducation inclusive. Diapo. Donc, le club UNESCO de l'Université Abdou Moumouni de Niamey donc, a géré un grand projet donc, de transformation des déchets plastiques. Donc, ce projet a eu donc, lieu grâce au soutien donc, financier de Oxfam Québec et de l'Agence française de développement AFD. Donc, à travers ce projet, donc, le club AI a transformer donc les déchets plastiques donc en pavés donc comme vous le voyez donc en image donc ces pavés là ont servi donc
donc au club UNESCO donc de faire donc de contribuer donc au niveau de la mairie de la commune 5 pour que la mairie puisse bâtir donc les grandes routes donc de la commune 5 à travers les pavés que le club a confectionné ou a fabriqué donc grâce à la transformation de ces déchets plastiques. Voilà diapo. Le club UNESCO aussi organise donc des sorties scientifiques et environnementales donc notamment au niveau du parc de W. Donc à travers ces activités au niveau du parc donc il était question au club de d'animer donc d'amener les amis et admirer la diversité faunique mais ainsi que la flore donc au niveau du parc mais aussi de cerner davantage leur rôle en tant qu'étudiants dans la biodiversité donc la nécessité et de leur protection pour se faire chaque sortie fait l'objet donc d'une communication sur place donc on anime un panel donc de communication donc sur l'environnement et la protection donc ainsi que le rôle que doivent jouer donc l'étudiant principalement parce que nous sommes un club étudiant universitaire avant tout donc le rôle que l'étudiant doit jouer donc dans la préservation de l'environnement et aussi la valorisation donc des activités entrant dans le cadre de la préservation de la nature en général. Le club UNESCO aussi fait des sorties donc au niveau de la réserve de Kouré où se retrouvent donc les girafes du Niger. Donc à ce niveau donc le club mène aussi des excursions donc pour faire visiter donc à la communauté donc estudiantine mais aussi les autres couches de la nation qui viennent avec nous. Donc pour les faire découvrir donc cette diversité donc faunique et florique dont regorge le Niger donc pour qu'ils puissent aussi s'imprégner de leur de la nécessité de leur action en faveur de la préservation de cet environnement. On peut passer diapo. Mm-hmm. Merci. Donc le club, il faut noter que le club UNESCO aussi donc a entrepris et entreprend toujours donc des activités de salubrité. Donc, dans le cadre du volet assainissement, donc on a un volet assainissement au niveau du secrétariat à l'environnement. Donc, le secrétariat à l'environnement du club UNESCO de l'Université Abdoulaye de Niamey donc, mène des activités de salubrité régulières donc, au niveau du campus de l'Université Abdoulaye de Niamey, mais aussi au niveau de certaines institutions donc, étatiques ou des établissements étatiques plutôt, et aussi au niveau des cimetières pour rendre donc, l'environnement assez viable. Merci diapo. Donc pour le volet verdification, donc s'agissant du volet verdification, c'est une erreur, on a mis versification, c'est verdification. Donc pour ce volet verdification, les actions du club UNESCO sont limitées aux plantations d'arbres donc dans l'espace universitaire. Cependant, les jeunes étudiants membres des clubs UNESCO mènent, avec le soutien du club UNESCO de l'Université Abdoulaye de Niamey, des études environnementales à travers des expérimentations donc, dans le jardin du club UNESCO. Donc, c'est le même jardin dans lequel je suis actuellement en train de faire ce webinaire avec vous. Donc, peut-être que certains sont en train de voir donc, déjà une vertification derrière moi. Merci. Diapo. Ok, donc le club UNESCO mène aussi donc des formations donc sur toujours dans le domaine de l'environnement. Donc parlant de cette formation, donc le club a élaboré plusieurs modules donc sur la protection de l'environnement, donc qui font l'objet de formations aux étudiants, mais aussi à certains établissements donc de la capitale vers lesquels nous partons. Bénévolement donc apporter notre contribution pour édifier donc les élèves et étudiants donc sur le rôle de la jeunesse donc dans la préservation de l'environnement mais aussi du rôle qui est sien donc de s'y mettre bénévolement et volontairement pour faire en sorte que nos actions puissent contribuer donc à la préservation de l'environnement et pour que nous puissions vivre dans un environnement sain comme on l'a dit et contribuer aussi donc à de la politique nationale donc de protection de l'environnement afin que le club UNESCO puisse jouer sa partition en tant qu'association membre de la société civile nigérienne.
Voilà. Et le club UNESCO aussi participe donc dans le cadre du partenariat avec certaines structures à former donc certaines personnes aussi lors des formations, notamment des formations ou bien des visites, donc des études, des voyages d'études ou bien des visites donc de certaines institutions, donc pour permettre à ce que le club UNESCO puisse déjà partager son expérience dans le domaine de la protection donc de l'environnement, mais aussi de faire ce jumelage, à apprendre des autres structures donc du pays, donc ce qu'ils font donc en matière, pour que ça nous serve aussi donc d'expérience ou bien de partage, donc pour que nous puissions implémenter donc les actions qu'ils sont en train de faire dans nos actions, donc au niveau de non seulement de notre cible principale qui est l'université, mais aussi des autres couches donc de la population. Comme je l'ai dit, on est certes un club universitaire, mais on ne fait pas que des actions au niveau de l'université, on fait des actions donc au niveau de tous les pays. Donc voilà, et nous avons aussi entrepris et participé à plusieurs donc actions collégiales donc de promotion et de protection de l'environnement, s'agissant des camps chantiers de reboisement donc qui est organisé chaque année par le Conseil national de la jeunesse du Niger. Donc à ce camp-là, le club UNESCO participe activement à ce camp donc chaque année, donc pour que le club anime des formations, des séances de formation lors de ces camps. Eux aussi partagent aussi l'expérience donc du club UNESCO, qui est une structure qui a plus de 25 ans d'existence, donc qui a fait beaucoup de choses dans le domaine de la protection de l'environnement, donc que nous partageons avec les participants à ces camps chantiers. Donc voilà, et il faut aussi rappeler que le club UNESCO de l'université Abdou Mouni n'est pas le seul club UNESCO donc de Niamey ou bien du Niger en général. Donc nous sommes affiliés à la Fédération nigérienne des associations centres clubs UNESCO, mais il faut noter que les autres clubs UNESCO donc du Niger sont plus culturels donc que scientifiques, donc ils ne mènent que la majorité des activités culturelles et font des formations aussi dans le domaine de la culture en général. Donc c'est pour cela que le club UNESCO donc au Niger donc demeure le club UNESCO le plus actif, parce que là un volet scientifique qu'il anime régulièrement, donc qui fait en sorte que le club est plus connu que les autres clubs sur le plan national et aussi qu'international. Donc mais il faut noter que il y a plusieurs autres clubs donc civils qui mènent des activités aussi, avec lesquels nous sommes constitués aussi un réseau donc au niveau national. Nous menons des activités à travers la Fédération nigérienne des associations centres et clubs UNESCO. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Alors Yali, on n'a pas de micro là, on ne t'entend pas. Excusez-moi. Thank you, Abdourahman, for your presentation. Merci beaucoup, Abdourahman, pour votre présentation. Maintenant, nous allons écouter Joana Ribeiro du Portugal. Now we're going to hear Joana Ribeiro from Portugal. Joana, it's yours. Joana, can you hear us? Joana is not here, apparently. Okay. So we're going to give the room for Eliza Vasilescu from Romania. Joana n'est pas là, donc nous allons passer à Eliza Vasilescu de Romanie. Merci beaucoup. Thank you very much. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, thank you. My name is Eliza Vasilescu. I'm from Romania and I'm a member of Alumnus Club for UNESCO. I will share my screen now, if it's okay. I will start with a brief presentation of our club. And I would like to say that
that Alumnus Club for UNESCO is an organization that was created in the year 2000 and gathers members from 10 countries. Alumnus Club for UNESCO is part of the Romanian Federation for UNESCO Clubs and Associations and of the European and World Federation for UNESCO. It is formed mainly by young students, and it offers its members the opportunity to be involved in projects aimed at developing their experience in their selected field of study. Through its UNESCO affiliation, Alumnus Club for UNESCO has access to a lot of information regarding activities developed in domains such as education, science, culture, and communication. This year, the UNESCO Civil Society celebrates 65 years since Romania's membership in UNESCO and 20 years of activity of the European Federation. A list of important alumnus events, but not all of them, are Metamorphosis, Youth and Museum, Magellan Moment, as Asia-Europe Forum for Education, Passport for Global Ethics, as well as Future Folk. An extract from the On European report concerning the post-pandemic context affirms that almost 1 million people don't have a shelter every night in Europe, 70% more than a decade ago in the majority of member states. The European Union desires to restructure the society after the pandemic by incorporating in treaties the European Pillar of Social Rights, and to prevent an environmental catastrophe, the European Commission has decided to accelerate the adoption of measures to protect biodiversity and promote healthy eating, as studies show that the destruction of biodiversity and the depletion of food resources have favored the spread of the coronavirus. The two directions presented by the Commission are to stop the destruction of nature and to follow the products from the farm to the table. And now I would like to present some of the projects, some of alumnus club projects in which I participated in the last years. I would like to begin with the Intercultural Youth Summer Camp organized by the Greek Foreign Ministry in collaboration with UNESCO Commission of Greece in 2018 in Halkidiki. The camp aimed to bring together young people from the Balkan countries and to encourage their deeper understanding on issues such as human rights, peace, cultural diversity, gender equality, and sustainable development. And it had the theme of being environmental education and climate change. UNESCO Academy of Young Women, the second edition in which I participated, was organized by the Romanian National Commission for UNESCO in 2019, and it had the topic mass media as a tool for women's empowerment. In this edition of the event, the organizers emphasized mass media due to its capability to raise awareness, influence broad categories of people, alleviate stereotypes, and model mentalities. Through this project, the Romanian National Commission for UNESCO supported the plea for gender equality that our country was promoting during its mandate at the presidency of the Council of the European Union. The Romanian National Commission for UNESCO, the European Federation for UNESCO Clubs and Associations, the Youth Center of Bucharest City Halls, the Embassy of Romania in Cyprus, and as well as Alumnus Club for UNESCO organized a Romanian Cypriot exchange in 2019 in partnership with Karava City Hall, and it aimed to bring the youth closer to the theme of heritage, offering the exhibition of traditional objects from the grandmother's chest. The event was dedicated as well to the National Day of Romania, December 1st, and from the National Commission for UNESCO participated in this cultural exchange, Mrs. Daniela Popescu, expert of the Subcommittee on Interdisciplinary Programs. Now I would like to present an alumnus project proposal on environmental on the environmental theme. And that is that Alumnus Club for UNESCO intends to develop a future project that aims to raise awareness regarding the Danube Delta Biosphere Reserve on the importance of preserving the natural environment,
of protecting the unique ecosystem of the reserve, conserving the cultural inheritance of the local community, following to contribute to the understanding of the significance and the value of the natural ecosystem by the youth. Through educational workshops such as screening, artistic... 1 minute, Elijah. Yes? Sorry, 1 minute, if you can... No, go on, but you have 1 minute, sorry. Oh, sorry, I didn't understand. Through artistic activities or competitions and projects like this, the alumni staff for UNESCO seeks to identify risk factors for ecosystem conservation in the Danube Delta Biosphere Reserve. And by maintaining an environment natural environment sanitized, free of waste of origin, especially plastic, which is affecting the development and flora and is lowering as well the living quality of the members of the resident human community. The awareness on the issue of human intervention in the ecosystem will be concluded through actions such as recycling plastic waste and planting young trees to maintain the local flora. By using media type activities, the participants will be actively involved in the biosphere conservation by composing reports, articles, essays concerning the uncontestable need to protect the natural environment of the reserve. Thank you very much for your attention. Thank you, Elijah. Merci beaucoup, Elisa. Maintenant, nous voulons avoir la présentation de Elena Martianova. Now we're going to have the presentation of Elena Martianova from Russia. Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Okay. Dear friends, dear participants, let me on behalf of Russia UNESCO Clubs greet all of you. UNESCO Clubs in Russia have a long history. Today, 56 associations have passed accreditation at the National Commission of UNESCO. UNESCO Clubs are actively promoting and implementing CDGs, and the environmental direction is one of the most interesting and accessible activities of UNESCO Clubs. There are many areas of volunteerism in the environmental field, working with people on the following topics: ecological lifestyle, resource conservation, the reserve system of Russia, separate garbage collection. In order to be able to discuss these topics, it is necessary to have some knowledge in this era, and in these young people are assisted by classes and events conducted by UNESCO Clubs. Environmental education is the dissemination of environmental knowledge about environmental security, healthy lifestyles, in information about the state of the environment, and the use of natural resources. I'm glad to present you some projects that are implemented by clubs within the framework of the direction environmental education. UNESCO Clubs Earth Simulation Role Playing Game Global Questions. Their project is being implemented with the support of the Russian Nation Commission for UNESCO on its internet site in 2020 years. 6-8 teams from 5 countries took part in the game. The essence of the game is the teams of young people who are governments of virtual states participate in the game. They address cases on economic, political, social, culture, and environmental issues. Next project, education course for high school students, Global World and We, from UNESCO Clubs, Renovtsy organization, and the conduct of the computation of infographics, CDGs, the well-being of everyone. In order to publicize CDGs, school competition for the best video on the problem of drinking water quality in Maya village and its distribution through networks,
implementation of the social project Clean Water. The Tobol UNESCO clubs organizes and hosts the UN model for students of the summer diplomatic school in Yakutsk. Young diplomats will discuss the catastrophic water supply situation in India at the meeting of the UN Economic and Social Council. The Semitic UNESCO Club organizes an environmental action tree planting day, the holding of a green week as part of the international project Save and Preserve. UNESCO Club's Academy of Good implementation of the project Clean Petrushiha posters, crosswords information and lights and on the topic. ECO UNESCO Club implements the project School for Ecology, Think, Explore, Act. A new form in the implementation of the project become intermunicipal ecology reading. These are the main events on environmental education to which members of UNESCO clubs of the Russian Federation are happy to invite participants from UNESCO clubs of other countries. I'm sure that many interesting reports and thoughts will be heard today and have already been heard. Thank you to the organizer for the opportunity to speak. Thank you for your attention. For we are always open to dialogue and we invite you to Russia. Welcome. Thank you. Thank you very much, Elena, for the invitation. Merci beaucoup, Elena, pour cette invitation, cette présentation. Nous allons maintenant écouter Hattore Hatomini du Sénégal. We are now giving the floor to Hattore Hatomini from Senegal. Thank you very much. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. Donc, bonjour et bonsoir à tous les participants selon votre position. Je m'appelle Hattore Hatomini et je suis un élève des cours Sainte-Marie de Anne situé au Sénégal. Je suis en classe de première et aujourd'hui, je vais prendre la parole au nom de toute la délégation sénégalaise. Donc, aujourd'hui, ma présentation elle va porter sur trois gros points. Donc, la présentation de notre école, de mon école, ainsi que de notre club UNESCO. Ensuite, je vais parler des activités réalisées et au final, je vais parler des attentes et perspectives qu'on a. Donc, pour la présentation de notre école est connue sous le nom du cours Sainte-Marie de Anne. Elle a 71 ans et elle a depuis 1950. Donc, dans notre école, on a 70 nationalités, donc on a une très grosse diversité. Et en 1991, on a reçu le prix d'éducation à la paix. Pour ce qui s'agit du club UNESCO, on a 70 membres dans 5 commissions différentes, donc l'éducation, la science, la culture, la citoyenneté, droits humains et développement durable, dont je suis chef de cette commission. Passons maintenant aux activités. Donc, première activité qu'on a pu faire, c'est génie en herbe sur le développement durable. Donc, comment on a organisé cette activité? Tout d'abord, elle visait plus le lycée, donc seconde, première, terminale. On a fait des groupes, on a posé des questions sur le développement durable et voilà un peu comment ça s'est déroulé. Notre deuxième activité, c'est le concours de poésie et de propreté des classes. Donc, comme vous l'avez deviné, concours de poésie visait plus le primaire et les enfants devaient faire une poésie sur le développement durable, sur la nature, etc. Et le concours de propreté de la classe, donc cela visait plus le primaire ainsi que le collège. Donc ce qui s'est passé, c'est que durant des heures de pause ou de la récréation, on passait dans chaque classe du primaire et du collège, on prenait en photo la classe et ensuite on la projetait aux élèves pour montrer à quoi ressemble leur classe, l'état de leur classe après des cours, des heures de cours, comme ça, ils peuvent plus tard nettoyer leur classe pour faire en sorte qu'elle soit plus propre. Ensuite, on a fait une campagne de solidarité. Donc, pendant 2 mois, on passait dans chaque classe et chaque vendredi, on passait dans chaque classe et les élèves devaient
donner soit 100 francs CFA, donc monnaie sénégalaise, ou plus selon leur capacité. Et on récoltait tout cet argent pour faire l'activité suivante, qui est la visite d'école pour déficients intellectuels. Donc, on partait avec cet argent-là qu'on a pu récolter avec la campagne de solidarité. On a pu acheter de la farine, du riz, et on a apporté dans cette école-là de déficients intellectuels où on a passé une journée entière avec eux. On a essayé de comprendre comment l'école fonctionnait et comment les professeurs, fonctionnaient avec ces élèves-là. Ensuite, on a fait une exposition d'art sur la femme. Donc, cette exposition concernait les élèves du lycée, donc seconde, première terminale, qui font l'option art plastique. Donc, ils ont fait une représentation de la femme, dessin, peinture, etc. Et on a donc exposé ces dessins-là. On a ouvert à l'école. Des gens pouvaient venir voir, filmer, etc. Ensuite, on a fait une visioconférence sur la paix. Donc, durant les semaines de la paix, on a un moment de l'année où toute la semaine, on appelle ça semaine de la paix, et voilà, tout doit bien se passer, etc. Ensuite, on a fait une projection suivie de débats. Donc, on a pris n'importe quel sujet, par exemple la nature. On a projeté un document qui parlait de la nature. Ensuite, on a laissé les élèves interagir entre eux. Ensuite, on a fait un atelier de chant pour la paix. Donc, des élèves qui étaient intéressés pour le chant sont venus chanter, etc., histoire de se divertir, et une journée d'investissement humain. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait beaucoup d'activités au sein de l'école et non en dehors de l'école. Et donc, si je vais vous parler de nos perspectives et de nos attentes dans ce club UNESCO, donc on a espoir de lever des restrictions pour une reprise véritable. On veut aussi jumeler l'âge de la partenariat avec d'autres clubs ou fédérations, et aussi de nombreuses visites des musées de civilisation. Bon, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Atore. Thank you very much, Atore, for your presentation. Nous allons maintenant céder la parole à Lélia Kazri de Tunisie. We are now letting the floor to Lélia Kazri from Tunisia. Thank you, Lélia. Thank you so much. Greetings, honorable representatives and members of the international community of UNESCO clubs. My name is Lélia Kazri, and today I'm representing the Tunisian Federation of UNESCO Clubs. We, as the Federation of UNESCO Clubs in Tunisia, we are very pleased to be part of this international forum as well. We are very very honored to celebrate this International Environment Day with you. And as we always try to highlight, that this day should be actually every day, not just for one full day. Our country, Tunisia, has been been contributing to the efforts of the international community to reduce the effects of human activities on the environment as well as the climate, including ratifying the United Nations Framework Convention on Climate Change, etc. So since the creation of our Tunisian Federation, we have been working very closely with children as well as with youth in order to strengthen their participation in civil society as well as in the themes that the UNESCO is working on, including culture, science, as well as education. And under the theme of the ecological and social transition, our federation organized a plethora of various activities in partnership with a large network network of partners at a local, national, as well as an international level. And I'm very pleased to share with you some of the activities that we have been doing in our federation. And for now, I will try to divide them. The first part is for the activities that we did on the ground, including celebration of the Earth Day, as well as the celebration of the World Biodiversity Day.
these celebrations are very important because somehow we try to, every time we try to highlight how much it's necessary to raise awareness upon different aspects and themes related to environment and of course climate change. And I want to mention the different workshops that we organized related to the reflection of civil society for the integration of SDGs. Again, I want to highlight the importance of this because working also on the SDGs and including the youth is one of our priorities and one of our goals. Organized a very big project, which was in partnership with different organizations, including German organizations. This project is called Jaco Toco, which is basically a project initiated in order to create and enhance a garden that we have within our office in Tunis. This garden and this project specifically has developed a new strategy on working with youth as well as children. Also, now I want to move to the other part of our activities, which is basically around the awareness campaigns that we created. And among these awareness campaigns, I want to mention the open days for the high schoolers and also the students of universities and faculties all over Tunisia, thanks to our UNESCO clubs in Gebris, Gafsa, as well as in Tunis, which definitely did a very brilliant job in making this campaign a successful one. So around this, we had like reflection days on the causes, consequences, as well as solutions for climate change. And we shared advertising spots about environment, climate change, and how the impacts are quite spread. Last but not least, we would love to highlight that we are super open to any kind of partnership with the other UNESCO clubs all over the world. We have been working very closely, as I mentioned, with youth and children. So if any federation would love to work with us, we are very open to that because somehow we need unity. We need unity and collaboration in order to fight this big threat. Thank you so much for today. And please always remember that we should all highlight the importance of solidarity for the protection of our planet and our future generations. Thank you so much. Merci beaucoup pour cette présentation. Thank you very much for that presentation. We are now calling Ivena Azonzi from Bénin. Nous appelons maintenant Ivena Azonzi du Bénin. Si vous êtes parmi nous. Je suis Ivena. S'il vous plaît. Oui, attention avec l'écho, je ne sais pas si vous avez deux ordinateurs collés les uns aux autres, mais il faut enlever le micro de l'un des deux. Il y a quelqu'un qui a le micro. S'il vous plaît. Giovanni, pouvez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît? Giovanni. Mesdames et messieurs, chers aînés de l'UNESCO, chers jeunes pour mon père, bonjour. Dans le cadre de la transition écologique et sociale, deux catégories d'activités ont été menées au Bénin. Il s'agit d'une part d'engagement scientifique en faveur de la nature. D'autre part, nous pouvons énumérer des initiatives concrètes basées sur l'art et la culture en vue de la sauvegarde environnementale. Engagement scientifique du responsable du club du CEGE de Mokwe. Le club pour l'UNESCO
tu sais, je le loue. Cise à Cotonou compte à son actif une recherche universitaire faite par son responsable, Dr. Christophe Achada, sur les modes d'utilisation des terres et stocks de carbone organique du sol dans le bassin supérieur de Magou au Bénin. En 2021, les résultats ont été vulgarisés afin de montrer en quoi le changement du mode d'utilisation des terres peut d'abord contribuer à l'augmentation du carbone du sol, ensuite à la réduction du carbone atmosphérique et enfin à la réduction des gaz à effet de serre. Qu'en est-il des activités artistiques menées dans le cadre écologique au Bénin? En ce qui concerne les activités pratiques, on peut en citer sept. Le premier est un projet de collaboration internationale dénommé Les Enfants de Lyon et Porto contre les déchets, exécuté à Porto Novo de septembre 2019 à décembre 2020. Ce projet de coopération entre l'association OPS de Lyon et Repac Bénin a permis d'éduquer les enfants à la protection de l'environnement par la pratique des arts et des loisirs. Disponible sur YouTube, la deuxième est un spectacle intitulé « Les hommes et la nature », créé en 2020 à Ipelès par les conteurs de Repac pour conscientiser l'humanité sur les conséquences de ses actions sur l'environnement. La troisième est un séminaire régional des clubs UNESCO du Plateau sur l'éducation au développement durable à l'horizon 2030. À l'issue des échanges, il a été adopté que les actions de DD doivent être orientées vers la protection de l'environnement dans tout son sens vu l'urgence de la problématique. Disponible aussi sur YouTube, la quatrième est de l'art écologique, dénommée Greenland Project, est menée en 2018 à 2019 à Porto Novo pour lutter contre la déforestation dans les cités urbaines. C'est une balade comptée avec arrêt plantation. Meilleur spectacle d'éducation en 2016, La nature en colère est la cinquième. C'est un spectacle d'adolescents de moins de 15 ans visant à sensibiliser contre la destruction de la biodiversité et pour préserver la nature. L'avant-dernier est une campagne de reboisement en 2016 au Jeu 1 d'Ipelè. C'est un spectacle où 1500 plantes de terre ont été mises en terre sur un domaine de 2 hectares pour lutter contre l'extrême sécheresse et le changement climatique. La dernière est un spectacle, est un acte écologique dénommé Green Project, initié dans le Borgou en 2016 par le club UNESCO Génie Environnement en vue de lancer une coopération pour la production du jardin agroécologique qui va conduire à la mise sur pied d'un restaurant bio. Chers amis, pour l'UNESCO, voilà en résumé ce que nous avons pu faire au Bénin. La vraie question qui se pose à présent est de chercher à savoir comment la végétation peut endiguer les catastrophes naturelles comme celles récentes en République du Congo, dans le Goma. Réfléchissons-y.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Ivana. On est content d'avoir pu vous écouter. Thank you very much, Ivana. We're glad to be able to hear you. Je vais passer la parole à Giovanni si il est parmi nous. S'il vous plaît, Giovanni, I will leave the floor to Giovanni if you're with us, please. Ivana, thank you. Giovanni, are you with us? Giovanni, es-tu avec nous? Je vois qu'il y a peut-être des problèmes de connexion qui persistent, malheureusement. Donc, Giovanni, si vous pouvez vous manifester par le chat pour savoir si vous serez en mesure de faire votre présentation pour ne pas conclure sans vous. Giovanni, if you're hearing us, please let us know in the chat. If you're here and able to connect with us, so we can have your presentation before the final words. Yes, Giovanni, we can see you. Maybe you can take off your camera so we can hear you better. Giovanni, est-ce que si vous pouvez enlever votre caméra pour qu'on puisse mieux vous entendre? Giovanni, on ne vous entend pas, donc je pense que c'est la connexion. Ça va être un peu compliqué de pouvoir procéder. I'm sorry, Giovanni, but I think the connection will not let us finish your presentation. It's a shame, but we are limited by internet issues. Nous sommes un peu contraints de devoir malheureusement continuer face à cette incapacité technique liée à la connexion internet. Donc je vais laisser la parole donc de fermeture à Monsieur Ardio Sirima, coordinateur du réseau Forum Partage et Coopération. I will leave the final words for this meeting to Monsieur Ardio Sirima, coordinator of the Network Forum Partage and Cooperation, Sharing and Cooperation. Monsieur Ardio. Oui. Bonjour beaucoup. Bonjour Yali. Bonjour à toute l'équipe. Et merci beaucoup pour votre brillante conduite de ce forum. Je voudrais faire ce message très, très rapidement avant que nous terminions la rencontre. Donc, je suis très heureux que nous ayons tenu cette belle rencontre aujourd'hui, en cette journée mondiale dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique. Et malgré toutes les difficultés de connexion que nous avons pu rencontrer, je veux saluer chaleureusement au nom de toutes les fédérations membres du Forum Partage et Coopération, tous nos illustres invités et plus particulièrement tous les jeunes porte-parole. Bravo, chers jeunes porte-parole, pour la grande qualité de vos communications et de vos vibrants témoignages en faveur de la transition écologique et sociale. Les nombreuses activités et pistes de projets exposées au cours de notre forum montrent très clairement notre volonté commune de tenir avec détermination notre rôle d'actrice et d'acteur de la société civile mobilisée aux côtés de l'UNESCO, qui est chef de file des objectifs du développement durable au niveau mondial. Je salue bien évidemment toute l'équipe d'organisation coordonnée par Madame Marie-Anne Capul, entourée de Yali Sekiera et de Michel Miquelon. Merci à eux. Donc, pour tous les efforts déployés pour préparer et tenir avec succès notre conférence internationale des jeunes des clubs pour l'UNESCO, mobilisée pour la transition écologique et sociale. Chers collègues du Forum,
comme vous le savez, à la suite de notre rencontre de ce jour, nous nous engageons dès ce soir dans nos fédérations et dans nos pays pour notre prochain grand rendez-vous en ligne via Zoom. Ce sera le 18 septembre 2021. À cette date, nous tiendrons le Forum international des clubs pour l'UNESCO de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est avec grande satisfaction que je vais donc procéder à la clôture de ce forum. Mais avant, évidemment, je souhaite saluer le soutien indéfectible de la Fédération mondiale des associations, centres et clubs de l'UNESCO, dont le président a bien voulu nous présenter un message là à l'ouverture. Je veux saluer aussi le soutien constant de l'UNESCO, des commissions nationales et de nos différents partenaires institutionnels et associatifs. Et c'est grâce à tous ces soutiens et à l'énergie dans nos fédérations, notamment cette belle énergie qu'on a pu voir aujourd'hui auprès de nos jeunes, que nous allons poursuivre la dynamique de notre forum Partage et Coopération. Avec toutes les fédérations membres du forum et avec tous nos partenaires, nous allons partager dans les semaines qui viennent les travaux de cette riche rencontre. D'ores et déjà, vous pourrez visionner la vidéo de notre forum international sur les réseaux sociaux. Au nom des membres de l'équipe de synthèse de notre forum, je déclare clos ce premier forum international des jeunes des clubs pour l'UNESCO, mobilisé pour la transition écologique et sociale, et vous dis à très bientôt. UNESCO pour tous, tous pour l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. Excellent week-end à tous et à tous. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sirima. On me dit à l'oreillette qu'il serait souhaité que les panélistes mettent leurs photos ou leurs vidéos pour qu'on puisse prendre une vidéo, une photographie de la fin de cet événement. Thank you, Mr. Sirima, for your kind words of conclusion of this wonderful event. I will ask all the participants to activate their camera if they are if they are a presenter in this event, so we can take a picture of all of us during this event. I will also add that Giovanni will send us a registration, a video, so everybody can have his presentation, and that way everybody will listen what Giovanni had to say. And we are sorry for the technical issues. Je disais, Giovanni, qu'on allait envoyer votre présentation à toutes les personnes par la suite afin qu'on puisse écouter ce que vous aviez à dire. Et puis, nous sommes navrés pour les problèmes techniques. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Alors, je demande à la coordinatrice Marianne Capul pour savoir si la photo a été prise, si tout le monde peut faire un grand sourire. Can everybody make a big smile for the camera? Marianne, can you tell us if the picture was taken, please? Yes, it's all good. Thank you very much. Okay. Merci à tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very bon much, weekend. Everyone. Thank you, everyone. Nice to meet you. Bye. Thank you so okay, much. Merci. Merci bien. Thank you, et bonne soirée everyone. À tous. Have a nice day. Thank you. Okay. Merci. Merci. Bye, beaucoup. Everyone. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette belle conférence et à très bientôt. Thank you, good evening all. Merci encore à Yali hein, qui a assuré avec brio l'animation. Merci beaucoup Yali. Avec grand plaisir Arduma. Oui, bien sûr et bon évidemment. Merci beaucoup. Je salue au grand présentateur Yali. Voilà. Donc, thank you. Félicitations au grand présentateur Yali qui a bien réussi l'animation de ce webinaire. Bravo Michel. Merci beaucoup. Ouais. Passez un agréable week-end. Ok, allez. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ok, à allez, très bientôt. Ok.